Après, si, enfin. Ça, tu le ressens peut-être pas, mais. Mais jauge de vie, d'énergie et de sang-froid aussi augmente au fur et à mesure du jeu. Du coup, ça. Après, du coup, ça se voit pas forcément, ça se ressent pas forcément, mais. C'est quand même ça, quoi. Oh, Arthur, it's you. Come in. Where's what's his name? Jean-Marc, he's a little histrionic. I'm worried that he's going to open his mouth and say things that aren't true to those vulgar Puritans at the newspaper. Well, perhaps true, but not the whole truth. Look at these beautiful books. This is magnificent. We'll bring this city back to life if it kills me, and it probably shall. Yes. I have two copies of this book. This is an old field guide. Might be of some interest to you, maybe not. But please have it. It's worth quite a bit. Thank you. My pleasure. Je sais pas lire. Listen, Mr. Arthur. I'm sorry to ask this of you. You've done so much, but... But what? Jean-Marc. I'm afraid he's going to open his mouth and say things. How do you mean? Saying nasty things about the work that we have done together, for example. Is that my business? Oh, no, no. Of course not. He also found out some unsettling news about you. It's all scurrilous lies, of course. But... What sort of news? Oh, I do not talk about idle gossip. Please, I'm a public servant, and we are friends. Where do I find him? Well, he does live over on Rue de Zachary. Rue de Zachary. Rue de Zachary. Thank you, Arthur. Je vais lui péter la gueule, Jean-Marc. Examinez le document. Ferme, champ et fauconnerie. Je m'en bats les couilles, putain, j'ai pas envie de devenir fermier. J'ai une gueule à devenir fauconnier, fermier et tout ça. Je pense pas, non. Mon dieu, un français qui parle anglais. Ah oui, bah, c'est pas la première fois qu'on le croise. Hein. Confronter Jean-Marc. Il chante la Marseillaise? Enfin, il siffle la Marseillaise. Vite, vite, vite. Why you wanna go and say those awful things about me, buddy? Best not to make a big drama of things. Come on, let's go see your boss. This is gonna hurt, but it's for the best. Ah mais non. Je veux courir, pas passer. Allez. Amener Jean-Marc à la maison du maire sans être vu. Oula. Mais non. Mais non. Mais non. Mais j'étais dans les fougères. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Le problème, c'est qu'il y a un mec qui arrive là-bas, donc... Je vais me cacher, hein. Juste à côté de mon cheval, ce con. Ok. Non, je suis désolé, là, c'est, j'ai pas le choix de passer là. Est-ce qu'on est d'accord? Peut-être juste pas courir. Ah, attendez, faut que j'aille jusque là. Est-ce que je peux passer?
peux pas passer là. Mais comment je suis censé faire? C'est un garde là devant la porte. Faut que je passe là. Là, je vois rien que la lumière. Là, je peux juste dire que c'est un ami ivre que je ramène chez lui. Ça marche, non? T'as quelle idée de demander de faire autant d'efforts à un tuberculeux, quand même. Déjà assez compliqué. Oula. Assez compliqué comme ça, juste déjà de survivre. Alors, si en plus vous me demandez de faire des efforts. Allez, direction la maison du maire. Quick, Mr. Arthur, bring him around. You would not be so stupid. Il a dit ça juste parce que je l'ai bousculé. Oh, Jean-Marc, I've missed you. What silly man we have been. Yeah, he had a fall. He might be a little woozy. Oh, the poor boy. Jean-Marc, can you hear me? Where am I? Le mieux. What have you done? What have you done? You had an accident, Jean-Marc. Thank the Lord, our friend was there to find you. Really? I don't remember so well. Here. Faut que je lâche? Ok. My brother. Jean-Marc, we've been so... I promise to change. I know. What a silly misunderstanding. You see, the problem is principles will destroy us all. Sure. As long as you two are friends again. Yes. And you say you've changed, so we will run the city like men of honor, like you said. Of course. We will strive to improve the city's moral backbone by any means available to us. Within reason, yes. Yes. Within my reason. Because I am the mayor, Jean-Marc. And I will save you from yourself. Because it's better to get something done than nothing at all, like you said. Utterly corrupted, Lemieux. You've not changed at all. I've been supplanted in your esteem by a wanted murderer. You shame me. No, sir. You shame me with your vain naivete. Oh, how I long for the luxury to have principles such as you. But I must actually do things. Whoa. I see now. You're lost to reason. Yeah. And I see now that you're a horrible little wretch and a sinner yourself. Your sin is deluded vanity. Now, sir, I am afraid that you must kill him. I will pay you handsomely. And Jean-Marc, I will miss you. I really shall. Kill him? It must be so. Please. You're not really going to kill me, are you? No, thought I might. But all I did was love too much. Love? My duty. Yeah, but you're running your mouth leave you about out of it. Me, buddy. And him. He'll betray you, just like he's betrayed me. Lemieux is a foul rat. But I'm a man of my word. Let me live, and I'll destroy him. And I'll make sure you're left well alone. Come on, please, come on. You want to shoot a sad little man, would you? I might be a brute, but I'm not a paid killer. Get out of here. Don't mention me, boy. I give you my word. Ah, et après, je suis méchant. Hein. En même temps, si je le tuais, je lui aurais donné raison. Ça n'a pas de sens. Alors, il se déroule où le jeu? Je trouve qu'il y a pas mal de Français. Ben, c'est que dans cette ville-là où il y a beaucoup de Français, vu que c'est à Saint-Denis. Je te laisse chercher Saint-Denis sur une carte. Obedia Hinton.
Ah, c'est le mec des ténèbres qu'on a sauvé tout à l'heure. Ok, bah on peut faire ça. Québec, mais non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi il y aurait des Américains si c'est au Québec? Pas de sens. C'est plus Nouvelle-Orléans qu'autre chose, avec le bayou, etc. Normalement, c'est pas loin de New Orleans. Putain, je suis dégoûté quand même pour le crocodile de tout à l'heure. Vraiment, vous imaginez pas à quel point je suis dégoûté. Quatre balles de sniper qui l'a tanké, quoi. Si j'avais su. Si j'avais su. Bon bâton de dynamite dans sa gueule. Ça aurait été parfait. Sachant que les animaux légendaires, il n'y a pas besoin de se soucier de la qualité de la peau ou quoi. Ah là là. La tristesse d'un homme. Du coup, on va... Ouais, t'es innocent. Ouais, je vais faire la quête secondaire, après je vais faire encore une ou deux. Enfin, non, une quête principale seulement, j'ai l'heure. On pourra s'arrêter là. Non, on a combien de voice line ton perso? Vu qu'il parle tout le temps, ça a dû faire pas mal de boulot pour le doubleur. Mais tous les PNJ, tout ça, il y a eu un travail de dingue. Clairement, Red Dead, c'est pas le genre de jeu où tu peux te dire, vas-y, on va faire plusieurs langues, tu vois. C'est juste pas possible. Vu le travail. Par exemple, il y en a qui se sont amusés à suivre des PNJ, 3 PNJ, sur plusieurs jours. Et ils ont pu voir que les PNJ ont des routines. Et encore, ça dépend le PNJ. Par exemple, t'as un PNJ qui sera en mode de telle heure à telle heure, je vais travailler. Ensuite, je vais aller faire ça. Ensuite, je vais rentrer au saloon et tout ça, boire un verre, puis aller me coucher. T'en as d'autres qui sont en mode je vais travailler, mais je suis quand même très porté sur la boisson et je bois souvent. Après, mec, il finit. Enfin, là, le soir, il finit dans le saloon à se foutre une grosse mine, etc. Enfin, tu vois, chaque PNJ a sa petite routine et tout. C'est assez impressionnant, quoi. À côté de ça, ils savent pas faire plusieurs types de viande. Ah, be gone, sir. Be gone. Not because we cares, not. No, no, but because we cares. What are you talking about? Demons, heavens by the throat, sir. It's the darkness. The darkness, it's everywhere. He was right. What are you talking about? They come in darkness. They're coming. Faut que je trouve le démon. Le démon, c'est juste un loup. Hein. Ma'am, safe now. See if there's any more. Oh, thank you, brother. J'en entends d'autres. There's more, right. Ah, les démons, c'est des chiens, quoi. Back, I say. They's got Kane. They's got brother Kane. Where? Over there. All right, I'll handle this. Come on.
encore d'autres, putain. Non ? You two, back to the village. You'll keep these dogs at bay. À chaque fois, je tire deux balles. Vite. Stay back. Ok, ça l'a tué, juste un coup de pied. C'est des chiens galeux. C'est bon, les gars. C'est pas démon, c'est juste dogs. Gone crazy. Hey, Nas. Get yourselves home. No. He said they would come in many forms. And he said his protection would come in many forms. What are you talking about? It's just sick dogs. Hydrophobia or some other poison. He said we were not to doubt him. No. Get your people home, mister. Then get yourself a gun and kill any sick animals you see. Life will be just fine. Darkness has come for us. He was right. Who was right? I was. I shall save them. Who are you? There'll be no more four-legged demons. The curse shall change. The curse has changed. What curse? These poor people. I will save you. I just saved them, and it weren't no curse. It's just sick. Dark charms possess the woods, I told you. He told me. Mm-hmm. I found one. Mm. Don't touch it. He found the curse! So? The woods are full of these. While they remain, the curse. Bah ça, je le fais pas. Yet the woods are also full of demons. Allez chercher tous les pendentifs dans les bois, c'est bon. Have I lied to you thus? He never lied to me. Come, Obadiah, feed me. So, you're saying if someone destroys those charms, the curse is lifted? The woods are full of demons. And the demons protect the charms. And the charms protect the demons. It's impossible. Can see that it's impossible. There ain't no demons. Don't disturb the woods. I told you he would come and he would help and he would laugh. You told us. Ok. Très jamais. Bah non, du coup, ça on va pas le faire. C'est mort. C'est mort. Révérend Swanson, ok. Et l'autre 4 ? Ah, l'autre 4, elle est là-bas. Celle de Javier. Ah non, John Marston. Pardon. Le J, c'est pour John. On avait dit qu'on allait faire cette quête-là. Je vais juste me moucher vite fait. Moi aussi, je deviens malade comme mon perso. Alors, c'est qu'un rhume, mais on est unis. Allez, mon cheval, viens, s'il te plaît. Un mois après Red Dead, Fallout 76 est un jeu tellement moche et buggé que le seul truc qui marche, c'est les microtransactions. Et bah moi je suis bien content de ne pas m'être intéressé à ce jeu parce que j'ai l'impression que c'est Fallout 4, donc déjà de base ça part mal parce que c'était clairement pas mon Fallout préféré, mais au moins bien, et où tu retires tous les PNJ et où tu rajoutes un multi, c'est à dire tout, enfin en gros ils ont retiré tout ce qui était l'intérêt des Fallout et ils ont laissé tout ce dont on s'en foutait, tout ça. L'emplacement d'un poisson légendaire. Alors les poissons légendaires, je préviens de suite, hein, je le ferai pas. Notamment, vu
ce que ça donnait avec comment ça s'appelle, avec le poisson légendaire de tout à l'heure là. Ah, c'est mort. C'est mort de chez mort. Oh. Ouf. Y a pas un petit ragoût qui traîne là? Là, il y a des bottes de conserve, là. Du pain. Des crackers. Un assortiment de biscuits. Allez, attendez, c'est là-bas le truc de bouffe? Non, c'est pas du tout là-bas. Je sais pas où est-ce qu'ils l'ont bourré, hein. Moi, ce que je sais, c'est que je peux manger du saumon. Voilà. Bonjour, révérend. Reverend, you okay, Mr. Morgan? I don't know, Reverend. These are challenging times for all of us. Yes, very challenging. You don't seem yourself somehow. I've always felt. I've left the morphine, sir. Arthur, Reverend Swanson, would you excuse us a minute? Of course. New York. We are gonna go to New York. Now, they have been chasing us south and east and west. We're gonna get a boat, we're gonna get on a river, and we're gonna go north. New York. Then Tahiti, the Fiji Islands, or this place, New Guinea. Dancing girls, freedom. But first, we have to make a whole lot of smoke, a whole lot of commotion. And then we disappear. We need more commotion? One score and one whole hell of a lot of noise. We ain't so good at doing scores anymore, Dutch. Are you feeling all right, Arthur? Sure, fine. Pardon me for interrupting. I brought a friend, Arthur. Hello. Hello. Dutch, this is Eagle Flies. His father is a great chief. Charles and I, we... pretended to be mercenaries. Did me a great favor. Dutch Vanderlyn, how do you do? Not well, sir. Well, I am sorry to hear that. How's your father? Father has confused wisdom with weakness. His people, my people, we've suffered too much, been lied to too much. Now they take in our horses. Who? The infantry division posted at Fort Wallace. Why? Colonel Favors is a liar and a murderer. His people won't stop until we're all dead. Without horses, we cannot hunt. Without hunting, we will starve. This is another act of war. I see that. You men have helped me before, and I have money. Put your money away, son. What do you think, Charles? You know, I told your father I will not fight over some horses. But I made no such promise. Come along. Yeah, Arthur, we must go with them. To try to stop things from getting out of hand. Ouais, s'attaquer à Fort Wallace, c'est peut-être pas la meilleure idée. Come along. Si vous voulez, Fort Wallace, donc c'est un fort, comme le nom l'indique. Où se met l'armée, enfin où est l'armée de la région. Especially not with Dutch whipping them up into a frenzy. Got enough folks coming after us without an army. Walk all over you? No, you're not. This is all that's wrong with this world. Comment j'ai poussé Dutch? Okay, young man, lead the way. The horses are on a boat near Van Horn. Have a man waiting for us there with some canoes. Surely this can be done without killing anyone. Of course. What will be. Anyway, son, tell me about this Colonel Favors. He's a vile man. He and his regiment take pleasure in persecuting us. All the young have been taken from our reservation, shipped off to reform schools. Many women, too. The old are weak and sick, but they deliberately withhold medicine and supplies from us. This ends today. You have my word on that. Why are you getting involved in this, Dutch? You know me.
We shoot fellers as need shooting. We save fellers as need saving. Feed them as need feeding. Not this again. It's been quite a while since we helped anyone but ourselves, and even you know that. I told you, noise. We need noise, Arthur. Noise and faith. I still don't know what that means. Stop questioning and think. Just think for a second. The Pinkertons have had time to reinforce. The civilized world is closing on us. Who knows what else Molly told them? We need to move towards a conclusion now. Sure, but what's this got to do with any of that? Some good, honest conflict between the army and the Indians might be just the distraction we need. Kill two birds with one stone. Cornwall was funding the Pinkertons' assault on us. Why do you think I dealt with him? With Cornwall gone, the government is far more likely to divert them to other issues, especially if there's one more scandal. And then we can slip away. Like I said, we just need that noise and one more score. You know, I went back for the chest I had hidden outside Shady Bell, and we're close, Arthur. That dynamite, the railroad contract with the army, it was all in those papers Micah found. I have a plan. You just have to trust me. On va y aller en radeau. There's Peta. Ah mince, c'est un mec, j'avais pas vu. These men, like I said, they'll help us. I got the canoes. The boat is still moored in the channel. Good. Let's wait until nightfall. Après ça, on arrêtera le live, hein. Mais All right. Let's head out. Aider les Indiens, c'est intéressant. Pagayer jusqu'au bateau. Par contre, Dramo, le nouveau Fallout, c'est pas comme Fallout 4. Il y a pas de PNJ. I think the best plan is to paddle up there silently, border. And when we got control, we'll deal with that anchor, float away. We'll be ashore before anybody even knows what happened. Qu'est-ce que quoi? Ramener vers le flanc. Que la bande puisse monter à bord. J'aimerais bien. Pareil que j'ai pas les bonnes armes, genre là j'ai le fusil canon scié dans la main, donc ça va. Ah, j'ai que ma carabine, j'ai pas. Neutraliser et tuer, c'est pareil. Ah, une pipe. Alors, le gros crack qu'on a entendu, j'ai pas vraiment l'impression que j'ai neutralisé le mec. Mais j'ai l'impression de l'avoir tué. Là, du coup, assommé ou pas, dans tous les cas, il est mort. Je sais pas où je dois aller. I'm gonna go smoke, all right. Be back in a bit. Doit faire quoi? C'est là normalement. Voilà. Comment on retire l'ancre d'un bateau? Ah, c'est devant, je suppose.
ils sont trop nombreux là. Genre ça se fait pas dans la cabine. Ah non, faut vraiment que je neutralise tous les soldats quoi. J'ai pas le choix. Bon là l'avantage c'est que j'ai une vision de type aérienne sur eux. Là je vois qu'il y en a 3. Et que ça. Ouais, il y en a 3. Sorry, darling. No food this month. That cheating bastard Pennington robbed it all. Send her over to me. I got lots of money. Now that's just plain rude. Il me fait peur, lui. Ah, l'autre, il s'est approché. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Par là. Mais ça sert à quoi de les neutraliser? Si on fait dériver le bateau. Enfin non, enfin à la base il fallait juste faire dériver le bateau. On prend pas. Prends le choc. Je comprends pas. Je comprends pas. Je trouvais des balles. Génial. Je vais pas m'aider. Hein. Donc après, je peux toujours envoyer des couteaux de lancer et tout ça, mais je... bah, c'est pas neutralisé quoi. Et surtout, du coup, je vois plus l'utilité du plan. Saute dans l'eau avec un cheval. Je peux pas prendre les chevaux. What the hell? Jeb, we got a problem here. I found a body. We have attackers on board. Ah ouais. We're taking back what's ours. Je comprends rien. C'est quoi ce plan de merde? Vite! La dynamite, on connaît, c'est dangereux. Quelques défauts du jeu avec un moteur de jeu super daté et des graphismes made in 2006. Oui, ça, je savais. Ouais. Can you go after the others? Okay. Over here, come on. Par là, les gars. Et non. Yeah. Whoa. Mais nique ta race. LOL.
Mais... ils me suivent alors? Ils me suivent en fait. Putain, je pensais que c'était comme les moutons. Alors, le jeu peine à garder 30 FPS sur les bécanes les plus puissantes et rip les consoles qui tombent à 15 FPS. Le jeu est vide pour la bêta ouverte qui dure 4-5 heures. Le launcher de certains joueurs a supprimé tous les fichiers du jeu. 45 gigas. Oui, ça j'avais vu, ouais. Après, c'était complètement impossible de le désinstaller. Il faut la bêta finie. Il n'y a aucune protection anti-cheat. N'importe qui peut récupérer ton IP et te faire crasher en plus. D'accord. Mais du coup, à Charles, le problème, c'est pas les. C'est pas Sony, hein, du coup. C'est Bethesda. Never thought about it in those terms. Will one of you help me return the horses to my men? Well, Arthur... Oh, Arthur needs to rest. I will. I like you, son. And after the horses, are we gonna wait for the army to come and wreak its revenge? I hope not. Of course we ain't. Now let's go check out that fort of theirs. Is this a good idea? This is the only idea. And it is one that will suit both of our purposes. Fighting the army ain't wise. Stop worrying. Oh, and Sadie told me about Cone. Meet us at Doyle's Tavern in Saint Denis when you can. Shall we go, son? Certainly. We'll start some light reconnaissance out at Fort Wallace, and when Cone's dealt with, you come meet us there. We'll set up a good spot for you. I don't know, Dutch. Yeah, well, I do. This is exactly the distraction that we need. Your father said that fighting was an impossible gamble. There's no winning for you in this. Your father need not know anything. He'd rather live in ignorance. Come along, gentlemen. Your father would rather you did not do anything so foolish. I said I would stop this from happening. Would you talk to him? Speak with Rangeful. Yes. Would you? Sure. Oh. I'll speak with him. You head on back to camp. Check on the others. Touch his behavior. It's... I understand. Thank you, Arthur. De rien, bébé. Et là, j'ai gagné du sang-froid, non? Ah, j'ai gagné... ma jauge a augmenté, je pense. C'est bon? C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Du coup, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on aura comme quête. La quête de Sadie Hadler, où là on vient d'entendre parler, où du coup c'est pour s'en prendre à Colm. Colm O'Malley, je crois que c'est le nom. Enfin, le connard qui m'avait capturé. Il y a ici John pour le pont, avec les explosifs. Il y a du coup Pluie-Battante que je dois aller voir, parce que son fils veut faire n'importe quoi avec Dutch, et aller défoncer Fort Wallace qui est là. Bref, on a beaucoup de choses à faire la prochaine fois. Ça, on le fera très certainement pas, vu que c'est de la merde. Et où est-ce qu'on en est au niveau de la progression? On est à 69%. Donc on s'approche hein, vraiment de la fin du jeu. J'espère que ça vous aura plu. On est en sous-poids, mais pas critique. On a déjà aussi gagné là-dessus. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite. J'ai mon nez qui coule, c'est absolument affreux. Je vous laisse, des bisous et à demain. Tchou tchou.